Yo, salut, c'est parti pour la seconde partie en compagnie de Cipher, Zeus. Ouais. Allez, il va animer, il continue à animer le truc et puis bah, moi je coupe le micro. Depuis son Je fais promontoire, mon petit le spectre bricolage là et Spider puis observe sa destination, la deuxième tour de à plus sommeil. tard. Vous faites une voix de Amuse-toi bien, narrateur? Cipher. Quoi? Bien Ok. sûr que non. Le chef ne comprenait pas l'inspecteur Spider. Elle n'appréciait pas ses méthodes. Par là. Je sens que je vais le regretter. Salut. Hop. Mes excuses. Bah allez, saute. Ouais, à présent je vois en tant que l'autre. Ah bah voilà. Eh ben, toujours qu'il y a un problème quoi. Truc de ouf, PlayStation. Oh non, mais pourquoi ça me dit que la qualité elle est faible? Bingo! Les tours captent maintenant toutes sortes de radios identifiants, dont un juste là. Qu'est-ce que c'est? Ah ouais, non mais d'accord, lui par la vue. Qu'est-ce que ça pourrait bien être? Peut-être que... Réfléchis, réfléchis.
Le signal il vient d'ici. Donc il n'y a pas 10 000 options techniquement. Wow. Un des vieux sacs à dos de l'époque du lycée. J'avais oublié que j'y avais fixé une balise. Je me demande s'il y en a beaucoup dans la ville. Non, arrête, va pas, faut que je récupère tout ça. Toujours là? On a un vol à quelques rues de là. L'inspecteur Spider s'en charge. Mi homme, mi araignée, 100% flic. Ah. Ouvre le coffre. Allez. Hey, salut. Ah, Spider-Man, tue-le! Merde, qu'est-ce qui se passe? Il en arrive d'autres? Les gars, si vous vous donniez autant de mal dans un vrai boulot, vous auriez pas besoin d'être criminel. Je vais réparer la dernière tour de Chinatown. Vous voulez dire que l'inspecteur Spider va la réparer? Salut. J'ai bien réfléchi, Yori. Être policier, c'est un truc de jeune. Et l'inspecteur Spider, c'est plutôt un vieux de la vieille. Chez vous. Pourvu que ce soit bien ce que je pense. À partir d'aujourd'hui, l'inspecteur Spider prend sa retraite. Ah, Dieu merci. J'ai besoin d'un verre. Nous trinquerons tous ce soir à la mémoire de l'inspecteur Spider. L'infatigable... Yori? Yori, vous êtes là? Ah. Elle a dû être submergée par l'émotion du moment. Ouais. Je suis Spider-Man. Spider-Man. Non. J'ai pas envie qu'on voit mes trois poils sur le torse. Ok, les gars. J'ai besoin pour ma tenue son au labo. Je me demande si le docteur Octavius est rentré chez lui. Docteur, comment ça s'est passé avec le comité? Je suis désolé d'avoir tout raté. Ce n'est rien, Peter. Ils sont seulement nerveux face à mon triomphe imminent. Ils se détendront, comme toujours. Vous voulez que je passe au labo pour manger? Non, non. Je dois sortir dîner. Nous reprendrons demain. Une petite pause et retour à la création du futur. Il faudrait prélever l'optimisme de cet homme et le vendre en bouteille. Apparemment, il a quitté le labo. Je peux m'occuper de ma tenue tranquille.
vais. Ah, enlève ta patte, le chat, s'il te plaît. Enlève ta patte, enlève ta patte. T'es en train de me la planter. Marron. Marron. Petit chat, va. Dis-moi un petit chat. Le doc est sorti pour la soirée. C'est le moment de passer à mes activités d'araignée. Ah ouais. Je parle tout seul, je deviens fou. Peter, Docteur Octavius, qu'est-ce que c'est que ça? Mon dîner. Si j'avais su que tu étais là, je... Sur quoi tu travailles? Sur un projet personnel. Alors c'est donc ça. C'est toi. Je vois pas de quoi vous voulez... Oh, je t'en prie, Peter, c'est évident. Je vais vous expliquer. J'aurais aimé que tu me le dises plus tôt. Mais je voulais le faire. Mais j'avais trop peur que ça sache et que ma famille soit en danger. Oui. Je suppose que si tu crées tout son équipement, ses ennemis pourraient t'en vouloir. Oui. Oui. T'en fais pas. Ton secret est bien gardé. Eh bien, je te laisse travailler. D'accord, il est un peu con, hein, le médecin là, enfin le docteur. Regarde tes mails. J'espère que c'est pas le doc qui me renvoie. Peter. Quand j'ai découvert que tu étais le costumier de Spider-Man, d'ailleurs, est-ce le bon terme? Ça m'a rappelé ta valeur en tant qu'individu et en tant que partenaire. Tu as beau te tuer à la tâche, tu trouves toujours du temps pour aider les autres. J'espère que ça ne te dérange pas. J'ai remarqué que la tenue était un peu abîmée et j'ai pris la liberté de crayonner quelques arrangements. Tu trouveras ci-joint des idées que j'ai eues pour améliorer son costume et mieux le protéger. Il a fait tellement de choses pour notre ville. On forme un tandem extraordinaire et notre travail va changer le monde. Ton ami et partenaire, Otto. Une araignée blanche, hein? Ça devrait le faire. Spider-Man, Spider-Man. Pas d'araignée blanche. Sur le vent. Canon, Spidey. Bonjour, Peter. C'est le même, mais en mieux. Thank you.
Spider-Man. Je crois savoir comment les hommes de Fisk arrivent à maintenir ses activités, via ses chantiers. Ça a pas fermé quand on l'a arrêté ? Non, c'était l'une de ses activités officielles, avec différents investisseurs. Et impossible d'agir sans preuve. Mais on a ce qu'il faut maintenant, non ? J'espérais que vous pourriez surveiller ces différents sites et me dire si vous remarquez quelque chose d'inhabituel. Entendu. Je serai votre araignée fouineuse du quartier. Yori, je suis sur l'un des chantiers de Fisk. Il y a pas mal de monde ici, mais aucun ouvrier du bâtiment, a priori. D'accord, et qu'est-ce qu'ils font ? Je vais essayer de voir ça. Un SMS du doc. On dirait qu'il a mis un concept de Spider Gadget en pièce jointe. Il arrête jamais. Hein ? Qu'est-ce que je dois faire ? Wow ! Ça pourrait bien marcher ? Alors, j'arrive pas à lire. Parfait ! Le doc serait fier. Alors, comment est-ce qu'on intervient ? Parce que là, ils sont partout. Attends, d'accord. Jamais le chef plaisante pas. Il acceptera aucune erreur. Un jour, un gars a décidé de s'arrêter pour prendre un verre pendant une livraison. C'était sa dernière livraison, si tu veux. On est bien payé. Parce qu'on fait le boulot, comme il faut, en tant que... Blessé, fais-le. Quelqu'un va prendre la place en moi.
En voilà d'autres. Ça va sauter. Spider-Man, on a finalement arrêté 4 trafiquants d'armes dans un rayon de 3 pâtés de maison autour du chantier. Du trafic d'armes? Je vais voir ce que je peux faire pour bloquer l'approvisionnement. Putain, les héros électrocutent les gens. Ben ils sont où? Attends, appuyez sur... Tu veux pouvoir tenir... S'ils ont dû appeler leurs copains. Super, il y en a d'autres. Bienvenue à la fête. Laissez vos chaussures à la porte, sauf si vous n'avez pas de chaussettes. Mais dans ce cas, c'est quoi votre problème? Fumez-le! Ça devrait se calmer. Oh merde, 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 merde. Mettez-le au tapis. Ouais, mais oh, calmez-vous. C'est vraiment un meurtre.
Y'en a d'autres. Bienvenue à la fête. Laissez vos chaussures à la porte, sauf si vous n'avez pas de chaussettes. Mais dans ce cas, c'est quoi votre problème? J'ai dit, on va attendre de reprendre un petit peu de vie. Mais non, c'est quoi ces fake? Miaou miaou. Nique. Oh putain. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Alors, c'est quoi? T'es sûr ce que tu viens de faire toi? Ah bon? Vas-y viens. Vas-y viens, c'est un homme toi. Mais dans ce cas, c'est quoi votre problème? Foutage de gueule, il est où? Et là on arrive en Spider-Man. Suivez-le! Descendez-le! Qui a envie de se rendre? Personne? Thank you.
Ouais, mais... L'endroit est condamné, capitaine. Putain. Couvert de toile, pour être précis. Et quelqu'un a enfin signalé des coups de feu. J'ai donc pu envoyer des agents. Bon travail. Eh, j'en peux plus. J'ai mal aux mains. Fisk a d'autres chantiers en ville. Je parie que ce sont aussi des façades. Ouvrez l'œil et faites-moi signe si vous voyez quoi que ce soit de suspect. Oh putain. T'es sûr qu'elle peut pas le faire elle-même ou quoi? Toujours donner son travail aux autres, truc de dingue elle. Si je veux trouver tous les chantiers de Fisk, il n'y a qu'une chose à faire. Je dois augmenter la précision de mon logiciel de navigation. Je devrais y arriver. En appliquant un traitement 3D à des photos de bâtiments et de monuments. Et je sais par lequel commencer. Fantastique, Doc. Les affaires reprennent. Provisoirement, tant que notre petit incident ne parvient pas aux oreilles du maire. Tu seras à l'essayage demain? Absolument. Ça va être génial. On va changer le monde, Doc. Si on ne déclenche pas le cataclysme, c'est déjà formidable. À demain, Peter. On va marquer les annales. Bon vieil Empire State Building. Ah, j'adore cette ville. Allez, une petite photo. Ça fera l'affaire. Ma carte a dû se recalibrer. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de photo. J'avais oublié à quel point ça me plaisait. Je devrais continuer à chercher d'autres monuments à l'occasion. C'est Monsieur Lee. Allô? Peter, c'est Martin Lee. Je voulais te dire qu'on avait encore besoin de temps pour préparer la fête de mai. En fait, le gâteau est toujours coincé dans les embouteillages. Oh, d'accord. Vous avez qu'à me dire quand vous êtes prêt et je passerai. Excellent. À bientôt, alors. Ok, j'ai un peu de temps libre. Voyons ce qui se passe en ville. À toutes les unités, on nous a signalé une vente de stupéfiants en cours. Agent dans le quartier de Nomade, répondez. Merde, oh putain. Non. D'habitude, je suis plus haut. Allez, grimpe, putain.
Salut, monsieur Lee. Salut, Peter. Tout est prêt pour la fête. On n'attend plus que toi. Cool, je me mets en route. Les gars, les gars, il y a Spider-Man. J'ai l'impression que j'ai un coco. Merde, on aurait pas dû. Tu fouilleras pas quand je te brûlerai les dents. De drogue est peut-être le crime que je déteste le plus. En tout cas, c'est en haut de la liste. Ou bon, en bas, ça dépend comment on voit. Spider-Man, Spider-Man. Et dire que de base, je déteste Spider-Man. Ah ben là, je kiffe. Je kiffe comme j'ai jamais kiffé Spider-Man. Triple backflip rattrapage sur le tour. Signal motion. Slow. Lop. Coucou les amis. Bonjour, monsieur Muggins. Si c'est à propos du loyer... Monsieur Parker, cet appel est votre troisième et dernier avertissement. Monsieur Lee doit être en cuisine, en train de préparer la fête. Pour mon chien. Salut, Pete. Salut, Peter. Salut. La partie se passe bien ? À ton avis, je gagne, bien sûr. Il commence à devenir sénile, Pete. Je suis en train de l'écraser. Oh, le plus important, c'est de s'amuser. Comment ça va? Ah, Martin, désolé pour le retard. Non, tu tombes à pic. Essaie de l'occuper pendant qu'on prépare la surprise. Pas de problème. Hé, hey, mais c'est ma tante préférée. Peter, ça pour une surprise. Je peux t'aider? Oui, si tu veux. Oh, il y a des boîtes très lourdes. Non, 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 pardon, je voulais dire un peu plus tard. En fait, je suis venu pour. J'avais seulement besoin de parler. D'accord. Très bien. Peter. Tu as des problèmes? Tu as besoin d'argent? Enfin, je suis un peu en retard sur mon loyer, mais... Non, 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 ça va. Encore des problèmes de cœur, c'est ça? Quoi? Non, 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 pas du tout. J'aimerais tellement que ça marche entre MJ et toi, c'est une fille très bien. Je sais, mais...
Et tous les deux, vous feriez de si beaux bébés. Wow. Peter. Que se passe-t-il? Allez, dis-moi tout. Toutes ces dernières années, tu m'as aidé dans mes études tout en travaillant ici. T'as fait tellement de sacrifices et sans contrepartie. J'aimerais qu'il y ait plus de gens comme toi dans le monde. Il a raison. Il y a 5 ans, vous êtes arrivé ici en disant admirer ma détermination à aider les autres. Aujourd'hui, c'est à mon tour de vous admirer. Merci, May, pour tout. À ces 5 années et à celles à venir. Merci encore d'avoir préparé tout ça. Ah, j'aurais aimé pouvoir faire plus. Eh bien, Tante May a toujours dit que sauver une personne... c'est sauver tout le monde. On devrait peut-être envoyer May à l'hôtel de ville pour discuter avec le maire. Wow. Oh, il faut que je file. Merci encore pour la fête et le reste. Ça compte vraiment beaucoup. Un message vocal de Yuri. Je devrais l'écouter dehors. C'est où ça dort? Je vais rafistoler mes chaussures. Message vocal de Yuri. Hey, alarme silencieuse à la salle d'enchères où se déroule la vente des biens de Fisk. Vous pouvez jeter un œil? Discrètement. Je ne veux pas faire de bruit pour rien. Les biens de Fisk? Génial! Je me demandais ce que le Kingpin cachait dans ses placards. Monsieur Muggins, je suis désolé. Monsieur Parker, cet appel est votre 3e et dernier avertissement. L'expulsion... Attendez, attendez! Je suis payé en fin de semaine! Je peux... Non. L'expulsion débutera vendredi si vous ne procédez pas au paiement total avant la fin de la journée. Au revoir. Bonne journée. Alors, où est-ce que je dois aller, moi? Je peux prendre une capture d'écran, c'est magnifique. Oh non, dommage. Alors, faut que j'aille ici, mais il y a un crime juste là. Vous ressemblez pas à des serruriers! Spider-Man, c'est pas comme ça que je voyais ma journée! On est censé faire quoi pour ça? Thank you.
conseils. Si vous êtes nul pour le vol et les fractions, vous devriez changer de branche. Une agression vient d'être signalée. Le signalement a eu lieu à la caserne de Westside. Discrètement. Il va passer par derrière. À perdre patience. Où est le dossier? Il y a une autre personne. Elle a dû le prendre. Ces masques, qui sont ces types? Il n'y a personne d'autre que nous ici. Nous trouverons le dossier. Ou vous mourrez. Ça craint. S'ils me repèrent, ils la tueront. Je dois agir en silence. Yuri, l'alarme silencieuse se confirme. Des hommes masqués armés et une otage. On a un braquage en cours. Bien reçu. J'envoie des unités. En attendant, empêchez la situation de s'aggraver. D'accord. Ah merde, le jeu. Attends, ça faut que je désactive. Reste discret. Mieux vaut ne pas alerter les autres. Ils ont l'air si mignons en étouffle comme ça.
ces types ne cherchent pas à s'emparer du territoire du Kingpin. J'espérais au moins avoir un week-end de libre. Je devrais le piéger d'en haut. À des limites. Quelqu'un d'autre est là, je le jure. C'est sûrement elle qui a le dossier. Dites-moi, où est-elle? Je ne sais pas. Je ne sais rien. Active, Peter. Les méchants vont devenir très méchants. Yan Jing Zhen Da Dian. Yo Kaila. Allez, dodo. C'est quoi ça? Mais ça appartient à... Bouge pas! Mon pote, si j'avais eu un dollar à chaque fois qu'on m'a dit ça... Hé, hey, Peter. MJ? Qu'est-ce que tu fais ici? La même chose que toi. Je travaille, enfin... Je travaillais. Oh, je crois que c'est à toi. Oui, merci. Donc Robbie t'envoie couvrir un cambriolage pour le Bugle? En fait... Techniquement, Robin ne sait pas que je suis là. Et au début, c'était pas un cambriolage. Quoi ? Je t'explique. Je peux vous aider ? Bonjour, Mary-Jane Watson, je suis là pour l'article sur les ventes de Fisk. Bonjour. Craig m'a dit que nous ferions ça demain. J'ai toujours aimé prendre un peu d'avance. Eh bien, je suis désolée, mais vous allez devoir revenir demain. Très bien, je comprends. Excusez-moi. Hé, hey, Craig. Non, désolée, mais je crois qu'on va devoir trouver un autre sujet pour la une. Je sais pas trop... Un truc sur la toile expressionniste? Attendez, on devrait pouvoir faire ça aujourd'hui. Vous êtes sûr? Vous êtes là, profitant de l'occasion. Je vous remercie. Craig? Laisse tomber. Fausse alerte. Très bien, allons-y. Prenez le temps de vous familiariser avec les articles. Retrouvez-moi à la statue de Baku quand vous serez prête. D'accord. Fisk
qu'a ouvert Peter en deux avec ça la première fois qu'ils se sont battus. Il est venu s'écrouler dans mon jardin, à moitié mort. J'ai dû voler la voiture de papa pour l'emmener aux urgences. Je me rappelle quand Fisk a commencé à importer illégalement des artefacts comme ça. Il avait acheté le port pour couvrir ses arrières et licencié tout le personnel, y compris mon père. J'aimerais qu'il soit là pour voir que la roue a tourné. Cette image est incroyable. Il y a une telle tension entre ces deux silhouettes. Pourquoi Fisk a-t-il appris ? Dites-moi quand vous voudrez commencer. Ça marche ? Allô ? Allô, ça va ? Tu t'en sors ? Tout d'abord, la pièce maîtresse. Ouais, tranquille. Pokémon, oh, bah, c'est cool. Oh, magnifique. Ah, tu joues ça une meuf maintenant ? Exact. Ouais, monsieur parce que c'est 15 minutes plus tôt avant le braquage. Ah, d'accord. Avant son arrestation.